c'est Venom Cascadeur. Ah les gars, ça va chauffer aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous les gars. La féerie du quartier est là aujourd'hui pour vous apporter les vrais docs. Yézi, notre invité d'aujourd'hui, là, il pense qu'il est trop discret. Mais j'ai une bonne question à lui poser. Donc, question sur moi, on s'en va tous les gars. Je vais les appeler. L'atterrage, c'est maintenant avec mes 4K. Allons-y. Bienvenue dans mes 4K, une émission qui casse tous les papos. En 4 questions seulement, on va essayer de connaître la vie de Venom DJ aujourd'hui. Bonjour Venom DJ. Bonjour belle dame. Lovia Amani. Belle demoiselle. Je me présente, je suis Lovia Amani. Okay. Non, maintenant les présentations sont faites. Okay. Aujourd'hui, j'aimerais savoir un peu plus sur ta carrière musicale et tout. Donc ma première question, elle est très simple. Qui est Venom? Bon, je veux une petite biographie. De notre Venom, si tu veux aussi, tu peux nous donner ton âge, hein, en ça va nous faire plaisir aussi. Ok, Venom, c'est Monsieur Venom Cascada. On n'a pas dit. Voilà. À la maison, on m'appelle Olivier parce que les gens ils aiment trop ça. Le gars parce qu'il entend, t'as dit ton vrai nom à la télé. Dès qu'il te voit dehors, non. Ouais, c'est Olivier, ouais, c'est fini, c'est bon comme ça. Tu vois, j'ai commencé véritablement à rentrer dans la sphère musicale. J'ai commencé à me faire connaître à partir de 2009 avec la sortie de Reconnaissance Acte 2. Voilà, et après. Si on veut évaluer des années de carrière, on peut dire. Les années de 2009 à aujourd'hui, je crois bien que ça doit faire près de 8 ans. 8 à 9 ans, hein. Bon, si on veut compter d'une autre manière. Ouais. C'est beaucoup, hein, 8 à 9 ans. 8 ans, à 8 ans, c'est rien. Bon, je trouve, hein. Dans 8 tous ans, les cas. C'est rien. Je dois faire 100 ans ou bien 150 ans sur la tête, donc j'ai beaucoup encore à faire. Amen. Amen. Dans tous les cas, j'ai une question encore très simple. Ouais. Venom était connu en tant qu'un artiste, je ne sais pas comment vous appelez ça, les artistes qui font des sports et tout. Je ne sais pas, c'est quoi le nom? Vous avez forcément un nom. Non, c'est... Comment vous n'avez pas de nom? C'est vous qui savez. Non, mais moi je ne connais pas votre nom, je sais que ce sont les artistes qui font des sports. Non, mais c'est vous qui savez. Moi, j'ai fait un morceau ou deux morceaux, je ne sais pas combien. Mais non, pourquoi changer de territoire, en fait? Non, ça, moi, je n'ai pas changé, en fait. Tu vois, regarde, reconnaissance, j'ai dit quand tu rends service, mon ami, sois reconnaissant. Mmh. Même si ça va plus c'est chez pas eux, même chose. Quand pas... tu prends et puis tu vois... dis non, c'est une chanson. Non, c'est une chanson, tu vois, c'est une chanson. Peut-être que c'était dans une période où les gens aimaient ce truc-là, d'entendre leur nom dans les chansons. Et nous, on l'a fait au début, c'était plus pour les maquis, tu vois, pour les boîtes de nuit où on travaillait, tout ça. Et ça a pris. Mais après, on te colle une étiquette et puis ça te fatigue. Moi, je suis un artiste, j'ai fait avant reconnaissance. C'est ça que je te dis, ma carrière a débuté parce que reconnaissance a fait un boom. Sinon, avant reconnaissance, j'avais jamais fait ce truc-là. J'ai fait des morceaux qui n'ont pas été connus, mais qui étaient des morceaux bien chantés. On a tout fait, mais rien n'a changé. Pour ceux qui connaissent bien Venom, voilà. Donc, j'ai toujours été un artiste qui aime chanter, qui fait des morceaux. Et après, un truc est arrivé, on a fait une fois, deux fois. Il y a beaucoup d'artistes. Que ce soit, même Serge Benoît, il a fait des morceaux où il chantait les noms. Bon, voilà. C'est vrai que c'était vraiment la mode il y a une époque. Voilà, c'est comme donc, ça. Donc, du coup, tu ne fais plus les spots. Tu n'es plus dans ça. Mais si mon truc, il faut faire mon son, spot, il ne fait plus. Tous les artistes aujourd'hui, que ce soit coupé, décalé, surtout ici, ils mettent des noms dans les chansons. Pas comme on le faisait, parce que ça, c'était des chansons qui étaient vraiment dédiées au nom, tu vois. Aujourd'hui, tu fais une chanson, par exemple, tu fais une chanson comme Laisse-moi vivre ma vie. Après, tu mets deux ou trois noms parce que c'est des gars qui te soutiennent. Mais c'est différent de ces morceaux qu'on faisait qui étaient vraiment des éloges qu'on faisait aux gens, dédiés au nom, tout ça, tu vois. Pas dit que je peux mettre quelques noms dans mes chansons, mais aujourd'hui, ma priorité, c'est de faire plaisir à ceux qui sont peut-être à l'autre bout du monde qui veulent entendre quelque chose dans ma chanson, tu vois. C'est comme ça. Est-ce que ça a payé? Ça a payé comment? Bon, quand je dis ça a payé, là, nous, on sait de quel paye on parle. Je sais pas. Parce que si ça avait vraiment payé, là, je n'allais pas entendre. Bon, ça, c'est ma troisième question d'ailleurs. Ouais. Il y a un affairage de ouf qui est là. On dit que tu es gibou. Non, ça, c'est des histoires. Tu sais, quand t'es artiste, il y a des gens qui passent leur temps à dire des choses sur toi
juste pour se rendre intéressant en fait, tu comprends. Il y a des gens même qui sautent des trucs sur les artistes pendant qu'ils ne connaissent même pas l'artiste. Mais c'est normal, quand tu es public, il faut accepter ça parce que c'est toi qui as décidé d'être public. Donc du coup, ta vie est exposée en fait. Tout le monde peut se permettre de dire ce qu'il veut sur toi. Il y a des gens qui peuvent... parce que aujourd'hui tu passes à la télé, non, celle-là, non, je la connais, dans tel coin, elle faisait ça, juste pour se rendre intéressant. Donc du coup, moi, personne ne dira ça. Je suis content, je suis fier de ce que j'ai. Je n'ai pas venu me mettre dans des trucs. Ça va m'apporter quoi? Rien. Apparemment, Venom a reconnu son talent et il sait qu'il a du talent. Mais pourquoi les gens essaient de te comparer à Kérosène? Ça, c'est ma quatrième question. Non, c'est normal. Tu comprends, c'est normal. Déjà, moi, c'est mon pote, je l'aime beaucoup, tu vois. C'est normal parce que après, peut-être qu'on a légèrement à peu près le même style. Ouais. Que ça soit même côté physiquement, il y a des traits. Après, la musique aussi se ressemble un peu, donc c'est normal que les gens ils mélangent un peu, tu vois. Tu vois, aux États-Unis, Sia et Rihanna, c'est à peu près la même voix, on mélange un peu, mais nous, il n'y a pas seulement le côté chant, mais il y a le style aussi qui est là. Donc, du coup, les gens, ils confondent. Je vais essayer d'être méchante. Est-ce que le petit buzz de notre frère Kérosène ne te pique pas juste un peu? Même si c'est ton frère, ça doit... Jamais. Souvent, on sait que lui, c'est ma copine, on marche ensemble. Mais souvent, là, son succès, là, ça peut déranger. Ça peut déranger à cet niveau. Jamais. Que Dieu m'en garde. Jamais. Tu sais quoi? Le problème des gens aujourd'hui, c'est que... On n'est pas reconnaissant envers Dieu. Oui, tu comprends. Si ton papa te donne 500 francs, hein, pendant que lui va au soleil travailler tous les jours, il te donne 500 francs pour pouvoir manger, que tu lui montres que ces 500 francs sont petits, que ce n'est pas bien, il aura très mal. Et souvent, on est comme ça envers Dieu. Moi, je ne peux pas venir avoir peut-être de la jalousie contre mon ami qui fait quelque chose de ses 10 doigts. Soit, peut-être que je vais bosser pour pouvoir aller loin moi aussi, travailler, aller, mais je ne peux pas être jaloux de lui parce que moi, Venom, j'ai fait des morceaux, comme tu disais aujourd'hui, moi j'ai fait, je suis sorti, il y a des moments où quand je vais en spectacle, si j'ai rien eu sur la scène en travaillement, c'était les 3 millions, 4 millions, 5 millions, tu comprends? En ce moment, ce gars-là, il était quelque part en Suisse là-bas, c'était difficile. Donc, aujourd'hui, si ça marche, lui, je rends gloire à Dieu, c'est normal. Il a galéré pour arriver où il est aujourd'hui. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Je suis heureux de ce que Dieu me donne. Tu comprends, non? Donc, je ne peux même pas avoir... C'est mon cas, je vais chez lui, on est tout le temps ensemble. On est en train de préparer un morceau ensemble. Donc, en fait, le problème chez les Africains, c'est que on est tellement... L'Africain, déjà... a toujours quelque chose à dire. Même quand il n'y a rien à dire, on veut toujours créer quelque chose. Pour toi, là, c'est comme un même. Je suis l'un des artistes, et lui aussi, il est l'un des artistes qui écoute toujours. Quand je dois sortir un morceau, il va toujours écouter avant que je sorte le morceau. Lui, pareil. Que ce soit Hypocrisie, toi, il a écouté Hypocrisie avant la sortie. La Victoire. Moi, j'ai écouté La Victoire plusieurs fois. Bon, s'il y a un problème entre nous, on va pas vivre comme ça, tu comprends, non? Donc c'est mon gars. Un peu vous... Non, ça c'est des conneries, ça. Donc comment Venom décrit son genre musical? C'est du coupé décalé, c'est du zouglou, c'est pas de la salsa ou c'est quoi? Toi tu me mets où? Moi je savais plus parce que moi je suis mélangée. Ah mais c'est ce qui fait la particularité de Venom en fait. Vraiment. Tu vois? Donc, tu n'as pas de catégorie. Voilà, il faut me mettre où tu veux. Si toi, tu te lèves, que tu me mets dans le coupé décalé, je dis ok. Si tu me mets dans le zouglou, ok. Si tu me mets dans l'afrobeat, ok. Je vais t'appeler monsieur le bipolaire. Donc, tu changes de catégorie à chaque instant. Osa dans un garçon rubis, président Issa Ouattara. C'est eux qui savent tout d'eux, qui connaissent nos vies que nous-mêmes. Toujours là à parler que des gens, ouais. Pourtant, eux-mêmes, on les voit pas, ouais. Ce sont les jaloux, les vrais hypocrites. Aïe, 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 aïe. Laissez-les parler, faut pas les calculer. Aïe, 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 aïe. Ce sont les jaloux, les vrais
hypocrites. Aïe 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 aïe. Laissez-les parler, faut pas les calculer. C'est bizarre. Non, du coup, vraiment merci. Tu as répondu à mes 4 questions. Okay. C'était pas assez compliqué, tu vois. J'étais quand même gentille. J'étais posé des questions vraiment compliquées. Non, après aussi, quand tu es en face de quelqu'un qui a pas de problème, qui fait c'est pas vrai. De bêtises. Ah, tu vois. Là, vraiment, la prochaine fois, je dois vraiment chercher des vraies questions. T'auras rien, madame. Parce que Venom, il ne fait pas Il était trop gentil avec non. toi. Non, cool. T'auras rien. Tu chercheras, t'auras rien. Maintenant, donc, Venom, je voulais savoir. Okay. Ça, c'est pour. C'est une question bon, personnelle. Mm-hmm. Tu es marié? Non, pas encore, mais je me marie. Bon. Attends, tu es en couple? Qu'est-ce que tu as fait là en couple? Et puis tu me laisses dans la voiture, je sais pas. Attends. Ok. Donc, les gars. Je me marie bientôt. J'ai une fiancée. Elle est super mignonne. Elle est adorable. Je l'adore. Voilà, je me marie. Je pense bientôt. Que l'émission va s'arrêter là. Je pense vraiment que cette émission va s'arrêter là. Parce que quand elle a l'intérêt d'être l'animatrice, si, il est déjà marié. Attends, t'es venu animer l'émission. C'est bon, j'ai fini mon émission. Merci. Merci. Pour toi, là, c'est...